J'ai prévu aujourd'hui cette présentation surtout comme une introduction historiographique et, si possible, problématique sur la question du commerce interculturel à l'échelle globale, donc ce qu'on appelle en anglais « cross-cultural trade ». Je vais en réalité tâcher d'y questionner l'intérêt potentiel de cette notion d'interculturalité et partant tâcher de dégager des pistes qui me semblent utiles dans le cadre de cet atelier consacré à la rencontre entre histoire globale et histoire sociale. Je me concentrerai en particulier sur l'étude des diasporas marchandes, ou en anglais à nouveau, puisque c'est vous le comprendrez assez rapidement, une historiographie grandement anglophone, ce qu'on appelle les trading diasporas ou trade diasporas, que nous aurons aussi l'occasion de traiter également plus en détail lors d'un séminaire auquel un petit groupe a le privilège d'avoir accès. Mais plus généralement, je vais essayer d'interroger l'articulation micro-macro, la fameuse, qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de débats, la notion de réseau aussi, network et diaspora, ou encore l'historicité et la nature des connexions. Alors, je reviendrai cet après-midi, je vais faire trois parties, dans un premier temps assez rapide, sur l'histoire des études portant sur le commerce interculturel. Ce sera bref, donc une espèce de panorama du cross-cultural trade in world history, ces études ont suivi un développement assez similaire à celui de l'histoire globale en général, tel que Thomas pouvait le présenter hier en introduction, donc depuis les années essentiellement 60, 70, beaucoup, 80 surtout. Je me concentrerai dans un deuxième temps sur le thème des diasporas marchandes comme échelle d'observation privilégiée pour l'étude de l'interculturalité. Donc les diasporas comme outils d'analyse pour l'histoire globale. J'ai annoncé dans le titre, de manière un peu ambitieuse au départ, que je parlerai des familles transrégionales. Alors, ce sera en fait assez incident cet après-midi, j'y viendrai peut-être à la fin, mais parce que vous avez déjà fait un atelier sur la famille, alors je me suis dit que peut-être c'était un peu redondant, etc. Donc on pourra l'évoquer éventuellement, bien sûr, essayer de voir quand une famille est diasporique ou pas, c'est évidemment une question importante. Enfin, je poserai dans un troisième temps une série de questions, de pistes, en m'appuyant à la fois sur un ouvrage récent, Suspense, je ne vous dis pas lequel, mais aussi sur plusieurs exemples tirés de recherches que j'ai pu mener sur les échanges commerciaux en Méditerranée à l'époque moderne. Je propose que tu traduis. Donc, n'hésitez pas à interrompre. Guillaume dice que le podéis interrumpir en cualquier momento, hacerle preguntas si hay algo que no entendéis o que os parece extraño. Presenta su introducción, que será historiográfica, sobre el comercio intercultural y se interrogará sobre el interés de esta categoría intercultural, dará algunas pistas para salir de paso, o sea, para avanzar en este campo, y hablará de diásporas mercantiles. También, desde un punto de vista metodológico, se interesará la articulación micro y macro, a la cuestión de las redes y a la, poniendo su interés específicamente en la cuestión de la naturaleza de las conexiones y la historicidad de las conexiones. Todo esto en tres partes, porque como es francés, tres partes siempre es francés. En primer lugar, un panorama rápido sobre cross-cultural trade y en paralelo a historia global, que son dos campos historiográficos que han avanzado juntos, qué relación tienen, etcétera.
segundo punto, segunda parte, las diásporas, no sé si se dice mercantiles o, bueno, diásporas mercantiles, como herramienta de análisis para lo intercultural, estudiar la interculturalidad. En el título había hablado, bueno, había propuesto la idea de tratar de familias transregionales, pero quizás avanzará rápidamente en este punto porque ya habéis hecho un seminario sobre familias. Y en su tercera parte dará pistas y hablará de un libro, no sabemos cuál, y nos lo dirá entonces. Gracias. Alors, les trois grands livres que j'ai choisis, c'est un petit peu arbitraire, comme étude pionnière sur le commerce interculturel, sont les trois livres suivants. C'est un choix qui n'a rien d'évident, mais je pense que le livre de Philip Curtin, en particulier, qui s'appelle Cross-Cultural Trade in World History, a ouvert un champ de recherche dynamique autour de la notion de commerce interculturel, entendu ici comme des échanges commerciaux entre groupes qui appartiennent à des régions, des religions, des ensembles politico-juridiques et des sociétés diverses. Curtin a considérablement marqué le champ de l'histoire globale, non seulement en y intégrant pleinement l'histoire de l'Afrique, c'est sa spécialité au départ, mais aussi en proposant une histoire de très longue durée qui s'étend en gros de la révolution commerciale de l'an 1000 à nos jours. Curtin décrivait lui-même son ouvrage comme une contribution au champ émergent de l'histoire mondiale comparée, Comparative World History, une comparaison pensée en l'occurrence chez lui comme un moyen. On a évoqué justement hier la différence entre comparaison comme but et comparaison comme moyen. Une comparaison comme un moyen de mener à bien un projet d'unifier une théorie générale du commerce interculturel. Alors si Curtin a popularisé le terme cross-cultural trade, il y a bien sûr des acceptions qui le précèdent, etc., mais c'est le premier à véritablement en avoir fait un objet d'étude. Il n'a bien entendu pas été le premier à s'intéresser aux relations interculturelles et au commerce entre groupes de cultures différentes, que l'on songe tout simplement aux travaux de Fernand Braudel, attentif aux échanges commerciaux à large rayon, et très intéressé lui-même, Braudel, aussi bien dans la Méditerranée que dans capitalisme et civilisation matérielle et capitalisme, par les diasporas juives, arméniennes notamment, mais aussi des travaux d'un autre méditerranéiste, peut-être moins connu que Braudel, enfin cela dépend encore où, hein, mais qui a laissé une œuvre magistrale à tout point de vue, c'est Shlomo Dov Goitein, qui a travaillé sur la diaspora des juifs maghribis du 10e au 13e siècle, une diaspora qui s'étend de l'Afrique du Nord en Occident à la péninsule ibérique jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Ces cinq volumes, A Mediterranean Society, 1967-1993, appuyé sur les célèbres archives de la Geniza, ce sont des archives commerciales conservées au Caire, est toujours un ouvrage très débattu en histoire économique de manière intéressante, puisque Goitein faisait justement de ces archives un outil pour l'étude du commerce interculturel, c'est-à-dire des juifs avec des non-juifs essentiellement. Ce qui est très intéressant, c'est que son ouvrage a été repris par les économistes, au premier chef Avner Greif, un des représentants des théories néo-institutionnalistes en économie, qui, en lisant en partie les mêmes sources, fait du monde des juifs maghrébis un monde clos. Il y a plusieurs nouvelles recherches aujourd'hui, Jessica Goldberg en particulier, ou Roxani Margariti, qui ont réfléchi à ces archives, et en soi le champ des études des guénizaïstes, des spécialistes de la Geniza, est en soi un sous-champ du monde interculturel, mais très très vivant, et qui donne le là très souvent aussi des débats, y compris pour l'histoire moderne et contemporaine. L'histoire globale, plus généralement, s'est divisée, et l'histoire du commerce interculturel, après Braudel, Goitein ou Curtin, pour le dire à gros traits ici, en deux camps distincts, je schématise bien évidemment. D'un côté, une histoire des systèmes économiques et de leurs évolutions
dans la veine, par exemple, de l'ouvrage de Jerry Bentley, Old World Encounters, qui est un livre important, d'autant plus que Jerry Bentley est le fondateur du Journal of World History en 1991, et qu'il a aussi été l'un des principaux artisans du développement de l'histoire mondiale ou globale aux États-Unis, en particulier en appelant de ses voeux un renouveau justement de ce type d'études. Il est mort en 2012. Ce qui a changé aussi la nature même du Journal of World History. Donc ça, c'est aussi porté par une personne intéressante qui est plutôt, si vous voulez, des points de comparaison à rapprocher du système monde à la Wallerstein ou de ce genre de questions-là. Old World Encounters travaille précisément sur le commerce interculturel, en gros du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à 1492. Donc ce choix aussi est intéressant, bien sûr, pour montrer des connexions qui précèdent un grand récit justement de la domination européenne. Alors ça, c'est un courant qui fonctionne aussi beaucoup autour d'un certain nombre de concepts cardinaux, et en particulier celui très débattu, vous le savez, de civilisation, qui était un des termes mis en avant par Braudel, que Bentley reprend lui-même, et qu'un certain nombre d'étudiants de Curtin utilisent également. Je pense en particulier à Patrick Manning, qui est un des représentants aujourd'hui de la World History aux États-Unis, qui a travaillé sur l'African Diaspora, ou de manière aussi très débattue, Lauren Benton, par exemple, et son Search for Sovereignty ou Law and Colonial Cultures, qui sont des ouvrages importants des années 2000, mais qui précisément reflètent une tradition de l'histoire globale en chambre, d'une certaine façon, c'est-à-dire une histoire globale depuis New York, depuis Pittsburgh, depuis etc., mais qui, de fait, Patrick Manning souffre du paludisme, et il ne peut pas aller en Afrique, par exemple. Donc c'est ce genre de choses comme ça qui peuvent faire sourire, mais qui traduisent bien, en tout cas, une approche de l'histoire globale synthétique, essentiellement. Très rapidement, sur le deuxième courant, je ne sais pas si c'est trop là avancé, mais le deuxième courant, je vais aller assez rapidement parce que je vais vous proposer surtout une bibliographie, et c'est là-dessus que je vais me concentrer cet après-midi. Il y a, à la suite de Curtin, beaucoup de travaux davantage centrés sur les acteurs et précisément autour de ces deux outils que sont les réseaux et les réseaux marchands et les diasporas marchandes, qui couvrent différents continents et qui permettent justement de proposer une histoire située du point de vue de l'acteur, d'une famille, d'une entreprise, parfois de produits. Et bien sûr, ces ouvrages là que je liste de manière un peu nombreuse depuis les années 80, vous permettent de vous faire une idée tout de même de la longue problématique micro-macro, si vous voulez. C'est pas une nouveauté des années 2010. Je crois que ce sont des ouvrages qui ont posé très rapidement et de manière très claire ce genre de questions. Vous voyez qu'il y a deux ouvrages en rouge. Ces deux ouvrages en rouge, ils traduisent presque un sous-champ de ce sous-champ, d'une certaine façon. C'est l'étude des figures d'intermédiaires. Bien sûr, les go-betweens, les cross-cultural brokers, c'est en soi aussi un mouvement très important. Alors là, j'en cite deux, mais il y en a beaucoup plus, bien évidemment. D'ailleurs, vous pourrez critiquer les choix que j'ai faits, bon, c'est nécessairement des choix de modernistes ici. Donc, des intermédiaires qui sont appelés à passer les barrières linguistiques, juridiques, économiques, diplomatiques, scientifiques, etc. Alors, la littérature est absolument immense, et donc c'est ici uniquement un aperçu. Bien. Entonces, Guillaume nos hace un repaso de la historiografía y nos presenta. ¿Tú puedes venir a la diapositiva precedente? Bien sûr. Nos presenta. Bueno, ha escogido tres libros que le parecen emblemáticos de cierta historiografía. Sobre esta cuestión de la cross-cultural trade, el libro de Philip Curtin, que o sea, trata de grupos que personas que pertenecen a un mismo grupo y a una misma religión y que practican el comercio. Este
especialista de la historia de África, integra la África en las reflexiones, la cual cosa es novedosa. También es una historia con un arco cronológico muy amplio, que empieza en el año 1000. Y es una historia comparativa utilizando la comparación como medio para unificar una teoría. A este historiador, Guillaume, asocia también otros historiadores, otro historiador más conocido, que es Fernand Braudel, y que el cual, pues, en su Historia del Mediterráneo, pero también en otros libros, pues fue muy sensible a la cuestión de las diásporas judías. El segundo libro que le parece emblemático es el de Goiten, A Mediterranean Society, que trabajó sobre un tipo de, o sea, sobre un archivo en particular, el archivo de la Genisa, que se encuentra en el Cairo, y él, así como los historiadores que han trabajado sobre este archivo, han producido una historiografía muy dinámica y que suele dar, no sé si se dice en español, pues, que dar que marca el tono de este campo de la el comercio intercultural, y constituye un campo específico en sí. Y el tercer libro, el de Jerry Bentley, que también es el fundador del Journal of World History, esto para marcar la vinculación de el Cross-Cultural Studies con la historia global, tiene de particular este autor que retoma o reivindica la categoría de civilización que promocionó mucho Fernand Braudel, pero que también han retomado y asumido, a pesar de las críticas que se han hecho a esta categoría, otros historiadores como Curtin o Patrick Meaning. Lauren Benton también, Guillaume considera que estos historiadores como historiadores que no se desplazan o que hacen una historia desde Nueva York o desde Pittsburgh, etcétera, o sea, que no se interesan mucho al trabajo de terreno, digamos. Y luego, pues, este bloque, digamos, de historiografía lo contrapone a otro bloque de más abundante, sobre el cual va a tratar de manera más detallada. Y entre los temas sobre los que han trabajado estos historiadores que serían de una segunda generación, y que caracterizan esta historiografía, es una historiografía más situada, una historiografía que se interesa a las familias, a las empresas, a la cuestión de lo micro y de lo macro, lo que explica que, bueno, o lo que prueba que esta cuestión de lo micro y de lo macro ya ha tenido sus historiadores, al menos hace ya más de 10 años, y entre ellos, pues, los que se han interesado a la cuestión de los mediadores, de los go-between, y aquí hay dos títulos en rojo subrayados, pero hay mucha más bibliografía sobre este tema. Merci. Alors oui, vous pouvez le voir, ce courant insiste beaucoup sur
la diaspora, sur les trading diaspora précisément, et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter là, en coupant donc de manière extrêmement sauvage ce que j'avais prévu. Alors, la diaspora, qu'est-ce que c'est qu'une diaspora? C'est, vous savez, au départ, une société, un groupe, un peuple en dispersion, ça vient du grec disséminé, et la première occurrence de diaspora accolée à un peuple, c'est dans la Bible des Septembres et la traduction de la Torah par les Juifs d'Alexandrie au IIIe siècle. Et globalement, jusqu'aux années 60-70, diaspora est essentiellement cantonnée au domaine religieux. Comme terme, c'est un terme qu'on voit peu du tout, enfin pas du tout appliqué aux études migratoires, etc. Alors, aujourd'hui, en revanche, vous trouvez des diasporas de Chinois, Indiens, Italiens, Tamouls, Libanais, Palestiniens, Redneck, Gays, enfin vous avez à peu près toutes les diasporas possibles et imaginables, sachant que la Banque mondiale, comme l'expliquait Caroline aussi, promeut la diaspora comme unité d'efficacité économique. Il y a plusieurs thèses qui, d'ailleurs, mettent en avant l'idée que les diasporas sont parfois volontaires, qu'il faut les rendre volontaires, et qui relisent même l'histoire des diasporas, en histoire économique, hein, comme des volontés d'expansion diasporique. Bon, ça, c'est tout à fait incident, et je ne vais pas m'arrêter là-dedans, mais bon. Donc le champ des diasporastudies naît aussi dans les années 60-70, se développe à partir de là. Si vous voulez, on pourra y revenir dans les discussions. J'avais prévu bien sûr quelque chose d'un peu plus conséquent. Et dans le champ de l'histoire économique en particulier, ce champ des diasporastudies a beaucoup été marqué par les théories des middlemen minorities. Oui, j'ai fait une faute à minorities, excusez-moi. Donc de ces groupes intermédiaires qui peuvent se mouvoir dans différents espaces politiques, différents espaces religieux, mais qui bénéficient d'une cohésion supposée. C'est notamment l'article fameux d'Edna Bonacic en sociologie des migrations, justement, A Theory of Middleman Minorities, qui met en avant justement la diaspora juive, la diaspora arménienne, la diaspora grecque, les trois diasporas classiques, hein, juifs, arméniens et grecs, c'est les diasporas qu'on considère comme diasporiques ontologiquement, presque, je dirais. Elles n'ont pas d'État, ou elles l'ont perdu. Il y a une cohésion religieuse. Alors ça, c'est tout à fait douteux pour les Grecs, bien évidemment, et pour les Juifs aussi, d'ailleurs. Pour les Arméniens, n'en parlons pas. Mais en tout cas, c'est l'idée que, voilà, il y a une homogénéité, une dispersion ensemble. Yuri Zletkin aussi, qui dans The Jewish Century défend une idée tellement scandaleuse que ça sert à rien de la préciser là. Mais en tout cas, qu'il y a une homogénéité, voilà, des diasporas qui expliquerait un certain nombre de comportements économiques. Alors, ces ouvrages, cette idée des diasporas comme minorité intermédiaire ont fait l'objet de plusieurs recherches critiques, et aujourd'hui je vais présenter, sans surprise pour ceux qui me connaissent, le livre de Francesca Trivelato, bientôt traduit en français et bientôt traduit en italien aussi. Je ne sais pas encore en espagnol si une traduction est prévue, mais c'est un livre qui de fait mérite qu'on s'y arrête pour qui veut travailler sur justement ce concept de trading diaspora, mais aussi ses limites. Alors pourquoi trading diaspora et pourquoi vous avoir parlé de Curtin, etc. Pour commencer, c'est que donc c'est The Familiarity of Strangers, hein, vous avez la référence plus en détail ici, Yale University Press 2009, republié en 2012. C'est un ouvrage qui a reçu une attention critique importante, qui a fait l'objet de nombreuses recensions, qui a obtenu aussi de nombreuses récompenses. Cet ouvrage pose la question suivante. Comment les marchands de l'époque moderne pouvaient-ils établir des relations durables avec de parfaits étrangers différents par leur religion, leur ethnie et leur langue? Et de quelles garanties avaient-ils besoin pour se lancer dans le commerce à longue distance? Qu'est-ce qu'on a besoin pour éviter des risques, pour éviter de prendre des risques inhérents ou supposés inhérents au commerce de longue distance? J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, Francesca Trivelato inscrit son ouvrage précisément dans une lecture de Curtin au départ, puisque Curtin, dans le premier chapitre de Cross-Cultural Trade in World History, s'appelle Trading Diasporas. Il fait des Trading Diasporas un moyen de faire le commerce interculturel à l'échelle globale, en s'appuyant sur un anthropologue de l'Afrique en particulier, Abner Cohen,
qui a écrit dans un article important justement comment ce dont avait besoin une trading diaspora pour fonctionner. Quels étaient les outils, les dispositifs mis en place par la diaspora pour être efficace économiquement. Et Curtin reprend la définition de Cohen en montrant que les trading diaspora favorisent le commerce interculturel. Elles en sont en tout cas les principaux protagonistes. Alors, de commerce interculturel, il est d'emblée question dans le livre de Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers, et l'expression est utilisée pour désigner des relations de crédit prolongées et une coopération commerciale entre des marchands qui partagent des accords implicites et explicites à propos des règles d'échange. Alors là, je donne la définition à Nati parce que c'est pas facile de s'en rappeler. Francesca Trivellato plaide justement dans son ouvrage pour un abandon du terme diaspora au profit du terme de réseau. Au même titre d'ailleurs qu'un autre ouvrage, spécialisé là plus sur la diaspora des Arméniens en 2011 de Sebou Aslanian, qui défend plutôt l'idée aussi de merchant network, qui serait un terme qui permettrait de réinsuffler les théories de la circulation, qu'évoquait aussi ce matin Caroline Douki, empruntant notamment à un autre ouvrage, Claude Markowitz, qui était dans la liste des ouvrages cités ici. Alors, bon, ce débat diaspora contre réseau me semble intéressant quand on rentre dans les détails, pourquoi pas, mais de manière là amusante, les notes de bas de page de Curtin et d'Abner Cohen disent, bon, tout le monde part de réseau aujourd'hui, on est en 1971 pour Cohen, on est en 1984 pour Curtin, il faudrait un terme beaucoup plus précis, et donc nous allons vous proposer « trading diaspora ». Et c'est quelque chose de savoureux de voir en 2009-2011. Bon, tout le monde parle de diaspora. Nous allons vous parler d'un terme beaucoup plus précis et ce sera trading networks. Bon, derrière, il y a quand même la network analysis, etc. Il y a tout de même une formalisation plus importante, même si dans les deux ouvrages en question, la network analysis est plutôt un arrière-plan que véritablement un outil de l'analyse. Pour en revenir à l'ouvrage, il se concentre sur plusieurs aspects. C'est un ouvrage passionnant pour l'histoire de la famille, pour l'histoire des associations commerciales, pour l'histoire des manières de négocier également le rapport entre parenté, règles de succession et organisation des systèmes commerciaux. C'est aussi un ouvrage qui a plusieurs chapitres importants, à la fin en particulier, qui montre comment des marchands juifs séfarades de Livourne commerçaient avec des hindous à Goa via des marchands italiens à Lisbonne, et comment ce réseau-là fonctionnait, à l'inverse, en revanche, d'une négociation qui tourne mal avec un juif persan qui entraîne la faillite de l'entreprise que Francesca Trivellato étudie, puisqu'elle étudie essentiellement la correspondance marchande d'une compagnie, Ergas et Silvera, à Livourne. Elle étudie le fonctionnement de cette compagnie, la création de cette compagnie, mais aussi sa mort, si vous voulez, sa faillite. Ici, on a des éléments importants qui montrent que les hindous de Goa et les juifs de Livourne parlaient un même langage. En l'occurrence, ils écrivaient en portugais. Tous. Ils s'écrivaient en portugais. On pourrait poser la question, pourquoi les hindous, pourquoi les juifs de Livourne n'apprennent pas l'hindi, par exemple, les camotins. Donc ça, c'est une question contrefactuelle, mais qui n'apporte pas grand-chose en vérité. Ils convoquent un registre de l'amitié, de l'honnêteté et de l'éthique marchande commun à tous au XVIIIe siècle. Ça, c'est un point qui me semble intéressant. Mais cette idée constitue aussi un problème sur les a priori de départ, sur la distance culturelle ou juridique entre Livourne et Goa, entre les Juifs et les Hindous, et de manière plus générale, entre les Sinfarades de Livourne et même les marchands catholiques de Lisbonne. En réalité, on peut se poser la question, est-il plus risqué de commercer, pour un juif séfarade de Livourne, est-il plus risqué de commercer avec l'océan Indien et avec Goa ou avec un persan à Alep, par exemple? Ça, c'est une question que je trouve intéressante sur le rapport entre distance topographique, géographique et système politique, moyen d'adjudication, etc. Puisque à Goa, on est tout de même dans le monde du jus commune et les systèmes d'adjudication portugais sont extrêmement efficaces et pluriséculaires. Donc, après tout, est-ce qu'il y a une,
disons une thèse hypostasiée derrière la présentation de ce problème, c'est bien sûr que la distance crée de l'interculturalité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble mériter qu'on s'y arrête, sachant que hier, on en a un petit peu débattu sur une question que posait Anna, notamment à Romain Bertrand, sur mais est-ce qu'il y a l'interculturalité, par exemple, entre quelqu'un qui vient du village d'à côté, etc. Bon, alors, ce débat a été en partie soulevé par Sanjay Subramaniam dans un article connu sur l'incommensurabilité, où il montre qu'effectivement on convoque le registre de l'incommensurabilité plus facilement, effectivement, pour parler du Captain Cook avec les Hawaïens que pour parler d'un ambassadeur danois en Angleterre. Rhétoriquement, ça fonctionne. On voit qu'il y a une remise en cause d'une idée de la différence culturelle proportionnelle à l'éloignement géographique, ce qui permet, ça a du bon tout de même, ça permet d'enlever toute forme d'exotisme, a priori. Je crois que ça, c'est important de le faire. Et ce que décrit Romain Bertrand dans l'Histoire à parts égales, sur les procédures de commensurabilité et les problèmes de métrologie, par exemple, chez les Hollandais à Banten, on les retrouve exactement dans les mêmes termes, c'est tout à fait frappant d'ailleurs, on peut faire des analogies assez fortes, avec les Hollandais à Smyrne, au XVIIe siècle. Ils ont exactement les mêmes problèmes. Ils se disent, on se fait arnaquer constamment, on se fait tromper, on a des problèmes de conversion, de poids et mesure. Et ils sont absolument, absolument perdus en 1609, quand ils arrivent à Smyrne. Donc là, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de questionner l'effet-retour de ce qu'on appelle histoire connectée ou histoire globale sur des terrains beaucoup plus travaillé par l'historiographie ou plus connu, par exemple l'histoire méditerranéenne. On sait qu'il y a des Hollandais à Smyrne, ça ne surprendra personne. On sait aussi qu'il y a des capitulations avec l'Empire ottoman en 1612, il y a une histoire assez bien documentée de ce point de vue-là. Mais en revanche, on n'étudie pas, enfin pas à ma connaissance, et y compris dans l'historiographie hollandaise, les problèmes de commensuralité et de métrologie des Hollandais une fois arrivés à Smyrne au XVIIe siècle. Ce qui m'amène et puis après, c'est terminé pour cette partie, à poser la question, effectivement, de la longue distance, que j'évoquais dans le titre, et que vous avez vu, j'ai absolument évacué de cet exposé, parce qu'au fond, la réponse qui consiste à dire la distance géographique, topographique, linguistique, dans des situations de contact est importante, me semble juste. Enfin, c'est-à-dire, il y a de la distance, il y a du risque, il y a du risque aussi à commercer avec les hindous de Goa. Et ces risques, il ne faut pas les négliger sous peine d'une distorsion d'un certain nombre de phénomènes cruciaux à l'époque moderne. Temps de préparation du voyage, prix des assurances, difficultés technologiques, pratiques, etc. Néanmoins, il n'y a pas d'homologie, et ça doit être un fondement qu'on doit justement à une remise en cause du paradigme de l'incommensurabilité en histoire globale. Il n'y a pas d'homologie entre distance topographique et distance juridique, linguistique ou culturelle. Là, on le voit pour le portugais, par exemple. Les juifs de Livourne n'ont aucun mal justement à commercer avec les hindous de Goa, parce que les hindous de Goa parlent portugais, on est dans un bassin linguistique commun. En soi, c'est intéressant, vous verrez que je reviendrai sur la question des langues ensuite. Qu'ensuite, il ne faille pas appliquer là-dessus le concept d'incommensurabilité me semble aller de soi. C'est-à-dire, pourquoi une différence serait incommensurable? Il y a des différences commensurables. Et là-dessus, je pense qu'on est peut-être allé trop loin, d'une certaine manière, dans la remise en cause du paradigme de l'incommensurabilité, en demandant aussi d'abandonner l'idée de différence. Mais il y a tout de même des différences métrologiques, il y a tout de même des différences linguistiques, et celles-ci méritent d'être questionnées comme telles. Qu'elles soient commensurables, ça, je crois que c'est vrai, en revanche. En linguistique, on mesure la différence et l'écart entre des systèmes linguistiques, par exemple. Du point de vue juridique, on peut mesurer très très nettement des effets de différence de systèmes juridiques sur les droits de succession, les règles successorales et les systèmes de parenté aussi, donc en anthropologie. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas confondre, je crois, incommensurabilité et différence. C'était un peu long, désolé. Sí, el término diáspora en un principio se utilizaba en el mundo de lo religioso, ¿no? En la Torah, por ejemplo, y la definición es la siguiente. Es un grupo en dispersión, ¿eh? Un grupo que tiene
raíces comunes religiosas o una misma identidad religiosa. Y bueno, hasta los años 70, ¿eh? 70, no se empleaba en el campo de la historiografía. Pero desde entonces está muy de moda porque hay instituciones como el Banco Mundial que las promueven o que pertenecen a programas institucionales o a discursos institucionales, etc. Guillaume dice que bueno, no hay que limitarse a la idea de las diásporas que constituye, bueno, como una movilidad obligada, sino que también pueden ser voluntarias, etcétera. Bueno, que hay, habría mucho que decir en, este, en esta definición, pero que no, no hay tiempo. Y que en el campo de la economía esta categoría pues, ha sido muy solicitada y, bueno, pues... se ha adoptado como categoría de análisis para estudiar figuras de middleman minorities, dejando suponer que la homogeneidad cultural religiosa, cultural o religiosa de un grupo explicaba en sí ciertas dinámicas económicas, ¿no? Y esto es el caso de la otra diapositiva. De Abner Cohen. Sí, de Sletskin y de Bonacci. Estos. Trivelato, Francesca Trivelato, que escribe un libro que se llama The Familiarity of Strangers, va a criticar esta postura, esta cuestión. En un primer momento, o sea, proponiendo de abandonar el término de je me suis perdu, de trading de diáspora que era propia a estos historiadores para apropiársela de red. No era una novedad en sí porque estos mismos historiadores la utilizaban anteriormente o criticaron los que la habían utilizado anteriormente, pero lo que es novedoso e interesante en el trabajo de Francesca Trivelato son otras cosas y en particular bueno, ella trabaja pues sobre una sociedad mercantil de Livorno en el siglo XVIII que tiene relaciones comerciales con negociantes de la ciudad de Goa en India a través de negociantes de Lisboa. Y las preguntas que ella formula, o sea, su trabajo no es simplemente de cambiar de categoría o de criticar las categorías anteriores, sino que es de interrogarse sobre qué es lo que necesita un grupo de mercaderes para comerciar con otro que no conoce, que no ha encontrado nunca y que quizás no encontrará nunca, cuáles son, qué tipo de garantías necesita
qué es lo que, en qué se basa la relación y qué, en fin, qué es lo que puede ser o estar al origen de un fracaso. Y ella estudia pues la relación entre esta compañía de Ergas y Silvera, que se llama Ergas y Silvera de Livorno, a través de la correspondencia mercantil que estos mercantes tienen con unos negociantes hindús en Goa. La cuestión es cómo, en qué se basa la comunicación intercultural entre ellos, cómo se establecen los vínculos de confianza, etc. Y ella pretende que, a pesar de la gran distancia y de la pertenencia a grupos culturales y religiosos distintos, estos dos grupos comparten un mismo lenguaje. No solo una misma lengua, en realidad, también, porque se escriben en portugués, pero también un mismo lenguaje que hace, o sea, que valoriza la cuestión de la amistad. La amistad es un elemento fundamental en este trabajo. Ciertas reglas de comportamiento en la práctica del mundo mercante. Guillaume entonces dice que la distancia crea lo intercultural, pero que esto, que esta distancia y esta interculturalidad que tiene, o sea, diferencias, pero que la diferencia no tiene por qué ser inconmensurable, que quizás se ha ido demasiado lejos en la idea o en la voluntad de hacer compatibles los grupos culturales y borrar elementos de diferencia para afirmar conexiones, pero que las conexiones también pueden existir a pesar de diferencias culturales. Y que, por otra parte, la distancia no solo está al origen de la interculturalidad, pero que es algo que hay que tener en cuenta porque la distancia es un riesgo, implica riesgos que no están específicamente relacionados con la diferencia cultural, pero que están relacionados con pues la preparación del viaje, la transmisión de la mercancía, los seguros, etc. Y más o menos. Et donc la dernière partie et la fin du suspense sur le livre que je voulais vous présenter, il y a encore Francesca Trivelato, précisément parce que si la question du commerce interculturel et des diasporas négociantes vous intéresse, elle revient dans son introduction grandement sur les débats que en partie j'ai présentés aujourd'hui, et surtout fait cinq propositions qui permettent de, à mon avis, questionner collectivement aussi ces types de concepts, et je vais essayer de le faire à travers un certain nombre d'exemples tirés là de mes propres recherches. Donc on a évoqué hier le cas, la question du cas et de la généralisation, et il me paraît en effet utile historiographiquement de généraliser des questions posées par les cas à l'intérieur des cas, avec les cas d'une certaine façon, plus que généraliser des conclusions établies à partir d'un cas, difficilement falsifiable d'ailleurs, avec d'autres cas. Donc en gros, le but de la généralisation, à mon avis, s'il y a généralisation, et le but des études de cas, c'est surtout de poser des questions. Et de poser des questions qui soient éventuellement
applicable à d'autres cas. Et là, ce sont de bonnes questions, je crois. En revanche, si on se sert de cas pour apporter des conclusions et que la réponse à nos conclusions, c'est un autre cas qui n'a parfois rien à voir, ça donne le débat Salins-Cerutti, selon moi, qui est un débat qui participe de profonds malentendus, à mon avis, sur les objets de recherche et aussi sur le cahier des charges des recherches respectives. Donc là, c'est quelque chose qui peut être heuristique du point de vue polémique, mais qui, en termes analytiques, me semble assez décevant. Enfin, j'aurai l'occasion, si vous voulez, qu'on en parle plus avant tout à l'heure. Donc voilà les cinq questions. La première qui est liée directement à ce programme de recherche, vous voyez qu'il embrasse à nouveau une chronologie longue, et c'est une série d'articles sur aussi des espaces différents, avec des cas, effectivement, des diasporas marchandes différentes. La première question, c'est la religion a-t-elle une influence sur le commerce culturel? Comme l'écrit Trivelato, le mot culture, dans le commerce interculturel, opère à deux niveaux. Il renvoie aux frontières religieuses, ethniques ou linguistiques, mais il signale également l'existence d'une compréhension mutuelle possible des échanges, valeur d'une marchandise, obligation contractuelle, commensurabilité des poids et des mesures. Ce sont parfois deux moments consécutifs dans une transaction, c'est-à-dire il y a des frontières, etc., puis après, peu à peu, on les gomme au point de comprendre effectivement les mécanismes de l'autre, si on veut, enfin, si on veut altériser comme ça. Mais une transaction réussie, c'est un peu d'ailleurs le sens de plusieurs approches en micro-histoire, pas nécessairement de Cheroutienne d'ailleurs, une transaction réussie ne signifie pas l'effacement des frontières culturelles, bien au contraire. L'interaction peut fixer, fabriquer, faire naître des frontières, cela va de soi, mais je pense que c'est là un des héritages aussi d'une certaine micro-histoire et d'une certaine lecture de la micro-histoire que l'on pense par exemple à l'héritage de Frédéric Barthes en micro-histoire et bien sûr l'article de Paul-André Rosenthal dans Jeu d'échelle. Donc l'enjeu de cette question-là, que je ne vais pas rentrer dans les détails ici, est de savoir quel rôle joue la religion, si elle joue un rôle, ou les confessions, en fonction du point de vue, bien évidemment, dans la définition des frontières de groupe. Deuxième question, comment la confiance fonctionne-t-elle à travers les groupes religieux, ou entre groupes religieux divers, si vous voulez. La confiance, je vous l'ai dit, est souvent hypostasiée, supposée par les chercheurs qui étudient un groupe ethnique ou religieux. J'étudie les juifs, j'hypostasie, je suppose la confiance inhérente au groupe juif. Arménien, je fais la même chose, etc. Mais les études récentes tendent à montrer précisément que c'est bien plus complexe et qu'il faut sans doute davantage réfléchir aux formes de la transaction au sein même de ces groupes sociaux, mais aussi bien sûr entre ces diasporas marchandes et des membres externes, extérieurs à la diaspora. Ce qui oblige d'une certaine façon à réfléchir aux transactions elles-mêmes comme des situations de contact, si on veut se servir de cette catégorie d'analyse. Les agents se voient-ils ? Interagissent-ils fréquemment ou de manière ponctuelle? Donc la régularité des transactions est aussi bien sûr une question à prendre en compte. Et comment s'établissent les contrats entre les différents agents? Comment évite-t-on les risques, etc. Alors l'enjeu est moins ici que ce soit clair de prendre le terme de confiance, trust, comme objet de recherche. C'est plutôt un ensemble de questions qui peuvent précisément aller et mener sans doute positivement à l'évacuation du terme même de confiance. Dans l'ouvrage dans cet ouvrage-là, justement, je tente de répondre à cette question de la confiance à travers l'exemple de l'économie de la rançon, dans un article que j'ai coécrit avec Wolfgang Kaiser, pour convoquer par exemple le concept d'Erving Goffman, credibility without trust, se croire, mais pas se faire confiance, avoir une crédibilité dans un échange, dans une transaction, tout en inspirant la plus profonde méfiance, qui montre précisément comment un commerce peut fonctionner, né même d'une méfiance fondamentale. Dans une situation d'interaction, on trouve des dispositifs pour être cru de bonne foi, alors que l'on est, par exemple, dans un contexte latent de guerre ou d'affrontement, comme c'est le cas en Méditerranée au XVIe et au XVIIe siècle. Donc avec des situations, dans la transaction, de prise d'otage, je laisse mon fils pour mener à bien la transaction, par exemple, des coûts de transaction élevés, des cadeaux, et l'interprétation de gestes qui, en soi, devient là un objet d'histoire absolument intéressant. Dans un autre article, je me suis attaché à étudier des transactions entre différentes diasporas.
notamment entre séfarades et arméniens en Méditerranée occidentale. Donc, d'une certaine manière, des échanges interdiasporiques, puisqu'on sait en effet très peu de choses sur la coopération commerciale des Arméniens avec les non-Arméniens. On sait plus de choses sur les commerces des Juifs avec les non-Juifs, mais sur les Arméniens, c'est vraiment un domaine historiographique assez insulaire. Donc, ma recherche cherchait à documenter précisément plusieurs aspects de l'histoire des diasporas historiques ou classiques, juifs, arméniens et grecs, en situation de transaction au début du XVIIe siècle. Et donc, dans différents espaces, j'ai pu analyser des procès qui menaient à une cartographie assez intéressante de ce que le litige permettait de montrer en termes de coopération commerciale entre différentes diasporas, puisque par exemple des marchands de diamants arméniens commerçaient avec des diamantaires juifs, séfarades ou levantins, qui eux-mêmes avaient recours à des marins grecs pour transporter leurs diamants et avaient un certain nombre de procès avec des marchands musulmans dans différentes places, notamment à Karaman. À travers un procès comme cela, on voit d'une part que ces échanges entre diasporas classiques existaient, tout simplement. Le litige, ça c'est un parti pris qu'on peut qualifier d'idéologique, je le qualifierai d'historiographique. Le litige, à mon avis, révèle beaucoup de transactions réussies. C'est-à-dire que pour un litige, je crois qu'il y a beaucoup de transactions qui n'apparaissent pas dans nos sources. En l'occurrence, les litiges montrent que tout n'était pas notarisé, tout ne passait pas par des contrats. Ce que l'on voit là très clairement dans le procès qui oppose justement des Arméniens et des Juifs en 1624 et 1625. Si vous voulez, je pourrais revenir plus avant sur la narration de ce procès, plus en détail. Je renverrai à l'article pour ceux que ça intéresse. Mais c'est quelque chose qui me semblait intéressant, sachant qu'il y a là un élément en revanche de lien très fort qui explique le commerce entre ces différents acteurs appartenant à des diasporas diverses, etc., c'est qu'ils parlent tous turc-ottoman. La conclusion à laquelle j'arrivais, c'est que les sociabilités turcophones créaient aussi des opportunités, des occasions de commercer entre différents groupes diasporiques. Je me tais. En esta tercera parte, Guillaume se focaliza sobre este libro que fue dirigido por 2014. Francesca Trivelato y que salió en 2014, que es un conjunto de comunicaciones entre las cuales hay un artículo de Guillaume y de Wolfgang Kaiser. Y en este libro, varias cosas interesantes, principalmente su introducción en la cual Trivelato formula varias preguntas. Bueno, antes de hablar de las preguntas formuladas por Trivelato, Guillaume dice que le parece importante consagrar una atención específica a la cuestión del estudio de caso. O sea, el estudio de caso, según él, permite formular preguntas. El estudio de caso es heurístico en este sentido, en el sentido de que no es un es la ocasión de formular preguntas y también la ocasión de formular preguntas que se inscriben en una generalización. Es la cuestión de pasar, o sea, del caso al nivel de lo general y según él, el estudio de caso no debe ser tomado como pues un estudio de terreno que va a conducirnos a una conclusión que nos permitirá generalizar, sino el caso en sí nos va a permitir formular preguntas que están vinculadas con una pregunta general o que nos va a permitir construir una pregunta general. Bueno, ha dicho ciertas cosas sobre el
la controversia entre Cheruti y Salins, pero creo que hablará de esto más detenidamente en otro momento o en las preguntas. Y todo esto, bueno, para decir que en este libro, que es una, bueno, son las diferentes contribuciones, pues estudian casos particulares, pues están organizadas en torno a cinco preguntas, que son las que formula Francesca Trivelato y que son básicas pero fundamentales. ¿Tiene la religión un impacto sobre el comercio, la religión de los grupos mercantes? La noción de cross-cultural, ¿tiene que ver algo también la cuestión cultural sobre la práctica del comercio? Y cultura se entiende o se interroga a dos niveles, o aparece a dos niveles, las fronteras entre culturales, las diferencias culturales, la cuestión de la comunicación y de la conmensurabilidad. ¿Hay problema o no en que dos personas que no sean de la misma cultura o de la misma religión entablen, se presentan problemas específicos si las relaciones comerciales se entablan entre grupos distintos de este punto de vista? Aboga Trivelato, abunda en el hecho en que las transacciones comerciales que funcionan no están fundamentadas específicamente en una homogeneidad cultural, y que las diferencias culturales deben ser valoradas o deben ser estimadas en esta discusión. Ya es una cosa que ya se ha hecho, o que se hizo en su tiempo, con la ayuda de los antropólogos, Friedrich Barth, o historiadores como Rosenthal. Otra de las preguntas fundamentales también es la cuestión de la confianza. ¿Qué tiene que ver la confianza o la desconfianza con la pertenencia cultural o religiosa de un individuo o de un grupo de individuos? A estas preguntas se articula el hecho de que este aspecto, debe considerarse, pero que tienen que juegan un papel muy importante también en la cuestión de la constitución de la confianza, la regularidad del contacto, el hecho de que las personas se vean o no. ¿Qué dispositivos se ponen en práctica? Y esto es el artículo de Guillaume en este libro, que se interroga sobre el hecho siguiente, ¿qué dispositivos se ponen en práctica para hacer que la persona con la que se tienen relaciones comerciales
crea en la buena fe de uno, cuáles son estos dispositivos en términos, no sé, de, por ejemplo, de, je sais plus comment dit otage, rehenes, sí. Pues dar rehenes, por ejemplo, en el intercambio de cautivos o en el rescate de cautivos en el Mediterráneo, etc. Y otro artículo en el que también Guillaume se ha interrogado sobre la cuestión de las relaciones de confianza, es otro que no figura en este libro, pero en el que estudia las relaciones entre judíos sefaradas, griegos y armenios, porque se sabe muy poco de los armenios en situaciones de contacto, y especialmente contacto intercultural. Y en este caso, Guillaume dice que el trabajo sobre la documentación jurídica y los procesos se revela muy interesante porque permite ver no solamente los momentos en que las colaboraciones fracasan y por qué fracasan, sino que también permiten ver cuán numerosas son las situaciones de transacción comercial en que no, bueno, que funcionan, ¿no? Y sobre todo las que no aparecen en la documentación porque se hacen de manera informal sin pasar por… no, bueno, se hacen de manera no registrada, delante de una institución. Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est pas toujours facile. Je vais aller très très vite parce que je pense que le temps nous a absolument compté. Je vais vous montrer des images, en fait. Je vais vous parler dans la même veine, en fait, d'un marchand arménien qui m'a permis aussi de travailler sur des questions contrefactuelles, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas d'Arméniens au Maghreb au début du XVIIe siècle, alors que nous sommes dans l'Empire ottoman, il y a beaucoup d'Arméniens à Smyrne, il y a des Arméniens au Caire, il y a des Arméniens à Alep, pourquoi n'y en a-t-il pas à Tunis et Alger? Je me suis posé cette question parce que je travaille sur Tunis au début du XVIIe siècle et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, j'avais un certain nombre de réponses qui étaient, il y a des réseaux commerciaux déjà fortement constitués, notamment de juifs séfarades, de Corses aussi. Je prépare un livre sur la diaspora corse, je revendique le terme de diaspora appliqué aux Corses, ce qui va me valoir des problèmes, je pense. Mais j'ai été en fait surpris en travaillant sur ce marchand-là, dans des archives notariées. Là, cette fois, voilà, c'est les archives notariées qui me l'apportent, ce n'est pas un litige. Sur une procuration en 1629 et qui est en fait une comenda. La comenda dans le monde arménien, je vais très vite, fonctionne de manière assez classique, hein. Il y a un bailleur de fonds, le ter ou l'ara, qui donne le capital nécessaire pour les biens, on appelle ça la manat, à un agent itinérant, l'enker, qui va recevoir 30% des bénéfices et 70% sera pour le bailleur de fonds. Le fonctionnement du commerce arménien passait beaucoup comme cela depuis la nouvelle Julfa. Il était très centralisé depuis Ispahan, depuis le centre de la Perse. Donc ça, c'est en raison de plusieurs règles patriarcales, successorales, etc. Et j'ai travaillé sur ce marchand parce qu'il m'intéressait. Il se mariait avec une catholique, il restait là et surtout, magique, il envoyait des sous à des Arméniens au Maghreb. Et alors là, j'étais voilà, ils sont quatre, c'est pas énorme, donc je comprends que je peux pas généraliser outre mesure. Néanmoins, à nouveau, il y a une présence, malgré tout, on est dans les années 1626, ils sont là, ils échouent commercialement.
ces Arméniens-là, ils échouent puisque le mandat que, bon là je vous ai mis de manière très rapide, vous n'avez aucune chance de le lire, donc je vous enverrai le PowerPoint pour ceux que ça intéresse. Le mandat donne à un marchand corse justement le pouvoir d'aller s'occuper de ses affaires au Maghreb parce que les Arméniens là-bas n'y arrivent pas. Donc ça m'a intéressé parce que bon, c'était une confirmation d'une certaine façon des hypothèses de départ, j'étais très content, mais aussi ça attestait d'une présence qui sinon n'était signalée absolument nulle part. Ce que ce mandat montre aussi, c'est justement en termes de connexion, pourquoi ce marchand qui est au départ un Enker, Safer di Gaspari, c'est-à-dire un marchand itinérant, décide de s'installer et de devenir lui-même le bailleur de fonds d'une commanda à 6000 pièces de 8 réaux, ce qui est une somme extrêmement importante à l'époque à Livourne, pas seulement à Livourne d'ailleurs. Eh bien, là, on ne peut pas comprendre si, effectivement, on ne s'intéresse pas à l'histoire turco-persane et à une guerre qui bloque tout simplement les relations entre la nouvelle Julfa et Smyrne. Les deux foyers de la diaspora arménienne qui font le relais jusqu'à l'Europe occidentale, les foyers arméniens à cette époque-là sont embryonnaires en Europe occidentale, sont bloqués à cette période. Et donc, d'une certaine manière, on voit là un marchand itinérant qui s'affranchit de la tutelle de son bailleur de fonds, en réinvestissant, etc., précisément dans un moment de guerre qui est très longue, 1623-1638, et qui va figer, d'une certaine manière, les foyers de la diaspora arménienne naissante en Europe occidentale à ce moment-là, à Venise et Livourne essentiellement. Donc ça m'a intéressé aussi pour ces raisons, et vous voyez comment, à nouveau, une étude dense d'un document, là c'est simplement un acte notarié, peut aussi permettre de soulever un certain nombre de questions, tout en montrant, attestant, de présence qui interroge quand même les grands récits sur la diaspora arménienne, puisque à aucun moment on ne trouve, y compris dans les littératures commerciales, la mention de ces Arméniens. Et en les cherchant, justement, en me disant, mais en fait, il y en a, les archives consulaires françaises permettent d'attester la présence de certains Arméniens. Donc c'est là-dessus quelque chose d'embryonnaire, mais qui interroge aussi sur les possibilités d'installation juridique d'un certain nombre de foyers. J'en viens aux autres questions assez rapidement. La troisième question vise essentiellement un ennemi. Donc ce livre, et je le mets là, mais c'est un ennemi pour tous les gens qui étudient sur l'histoire de l'Empire ottoman ou de la Méditerranée. The Long Divergence, How Islamic Law Held Back the Middle East, par Timur Kuran, qui postule donc l'idée d'une incompatibilité fondamentale du droit islamique avec le progrès économique. Et tout simplement les règles du marché. Ce livre par bien des aspects scandaleux, néanmoins, il est aujourd'hui très cité, très lu. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez, située à ce genre de questions, à part justement une forme d'étude qui prendrait au sérieux. Alors, j'ai oublié le 3, voilà. Cette question-là, la troisième question que pose Francesca Trivelato, quel rôle jouent les institutions dans l'établissement du commerce interculturel? Et pour ça, ça suppose de prendre véritablement au sérieux les tribunaux de Hadi dans l'Empire ottoman, donc ces tribunaux qui permettent de faire ce que je propose d'appeler une histoire multisituée des, alors c'est un peu les grands mots, etc., des procédures, des preuves et des procès, puisque cette histoire est possible. Cette histoire est possible, je l'ai rencontrée, en l'occurrence, à travers plusieurs cas justement de marchands corses, hein, c'est en travaillant sur des Corses. Les Corses amènent des Arméniens, les Corses amènent des Juifs, enfin, quand on travaille sur les Corses, on découvre plein de choses, et notamment des procès qui circulent de Tunis à Alger, à Livourne, à Marseille, etc. Je ne vais pas rentrer dans les cas, je n'aurai pas le temps du tout, etc. Mais ce que cela montre, c'est que des pièces de tribunaux de Hadid à Tunis, à Alger, étaient mobilisées dans des tribunaux suprêmes toscans, que à Marseille, on reconnaissait comme pièce probatoire le témoignage d'un musulman à Tunis. Ce genre de choses-là, on en sait aujourd'hui absolument. Enfin, on sait très très peu de choses sur ces questions-là. Et ces procès ne font pas que circuler des affaires et des plaideurs. Ils font circuler aussi des catégories et des procédures qui modifient même les juridictions d'Ancien Régime. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, puisque d'une certaine manière, ça résout une question qui est la comparaison. Là, on a une... En multisituant la même affaire dans différents procès, on a un moyen de suivre les mêmes demandes ou des demandes très proches
et de comparer véritablement des juridictions, des styles de cours, des manières de faire, et de mesurer ce qu'il y a de commun dans ces différentes juridictions et au contraire ce qui diffère. Ça peut être parfois des catégories qu'on ne peut pas mobiliser, ça peut être un témoin qu'on ne peut pas mobiliser, ça peut être des pièces qu'on ne peut pas mobiliser, mais ces petites différences, justement, à l'aune d'une affaire, évitent toute forme d'autorité analogique. Là, ce sont des comparaisons que les acteurs sociaux ont faites elles-mêmes, d'une certaine manière, en allant plaider, bien sûr dans un cadre, en revanche, juridictionnel et institutionnel, déjà fourni, malgré tout. Donc c'est ça aussi que je cherche à interroger à travers ces différents procès. Et si tu veux bien, je présente les deux dernières questions parce que je ne vais pas rentrer en détail, comme ça ce sera fini. La question de la violence et de la coexistence avec le cross-cultural trade, qui amène bien évidemment tous les gens familiers avec l'histoire de l'Estado da India ou les compagnies des Indes savent très bien que les grandes expéditions commerciales sont souvent liées à des procédures violentes de conquête, de piraterie, de pillage, etc. Donc là, c'est interroger cette dialectique-là, bien sûr, violence privée, violence publique, etc. Et aussi, enfin, une question d'histoire matérielle, que là, je n'évoquerai pas, mais qui serait intéressante aussi. Par exemple, qu'est-ce que le commerce interculturel fait aux objets et comment le déplacement d'un objet dans le cadre du commerce interculturel change sa fonction, ses usages et les manières de l'appréhender. Ça, c'est aussi un champ naissant, notamment autour d'études des... Enfin, naissant, pas si naissant que ça, en réalité, mais autour des études sur les plumes, l'ivoire, ce genre de produits qui, en circulant, effectivement, changent de fonction. Je m'arrêterai là, comme ça, c'est terminé pour Nati.